What's going on, guys? Waco from Revolution here with Alan Schizer, who is one of the co-founders of Soc d'Orgel. It is a high complication specialist making some of the most incredible watches in the Swiss watch industry today. And he has a very special partnership with Jacob & Co. So, Alan, comment ça va? Ça va bien. Je vous remercie. I will start by asking you some questions about a really incredible watch called the Twin Turbo. So I know there's two versions, the Twin Turbo and the Twin Turbo Furious. Let's start with the first one, the Twin Turbo. How did this project come about in collaboration with Jacob? Nous avons démarré la collaboration avec Jacob & Co. avec cette pièce. C'est la première réalisation qu'on a fait en commun. On est à la base assez spécialiste dans les répétitions minutes. Et c'est vrai quand on s'est rencontré avec Jacob, on lui a proposé ce mélange entre un double tourbillon triaxial et une répétition minute. Et en collaboration, on a réussi à créer ce design spécifique. Donc l'idée de base était de reprendre les courbes d'une voiture et d'utiliser cette montre dans le monde automobile à la base. So, tell me a little bit, Alain. About, you know, the first time I heard the Twin Turbo, I was blown away by the quality of the sound of the minute repeater. And you were mentioning that you have a special history in minute repeaters. Tell me a little bit about that history, if you can. And tell me for you, what is the secret to making a truly beautiful minute repeater? Alors, personnellement, j'ai travaillé dans mes expériences précédentes au service des horlogers dans plusieurs entreprises qui faisaient des répétitions minutes pour différentes marques. Et en créant le cercle des horlogers, on s'est vraiment dit qu'on allait travailler sur le son des répétitions minutes, créer quelque chose d'exceptionnel. On a réussi dans cette réalisation à optimiser le son de par la conception de la boîte qui est extrêmement importante, mais également par la réalisation de timbres qu'on voit à l'arrière, où ils ont vraiment la forme exacte de la boîte, ce qui permet en fait d'avoir des timbres qui sont très longs, qui font presque un effet timbre cathédral, donc on a un son qui est aussi très long, et ça permet justement cette magie au moment où on écoute la pièce. What's incredible is there was a collector named Santa Lara in Singapore. Santa Lara is his name on Instagram. Okay. And he was the first person I met who had purchased a Twin Turbo, actually has a Twin Turbo Furious, which has also the mono pusher chronograph. And he said, wait, you have to listen to this minute repeater. But what he did was really incredible. He had an evening where he had minute repeaters from many different brands, and they covered them with a cloth and they played them. So it was a blinding of the minute repeaters. Yeah, but it was incredible. And the two top watches was a Patek Philippe with cathedral gongs and the Twin Turbo Furious, which I thought was incredible, you know? And it was very interesting that you were saying that you want to make the gongs following the shape of the case as long as possible, that gives almost a sound like a cathedral gong. It's really remarkable. Très très content que c'est suscité cette réaction, que ça qu'on soit à côté de Patek Philippe, c'est vraiment magnifique. So tell me a little bit about the creation of these two triple axis tourbillons, right? Turning in 24 seconds, the first axis rotation, followed by 48 seconds, followed by 3 minutes. And what function do the tourbillons serve in terms of the timekeeping? Alors le tourbillon déjà à la base, donc le tourbillon simple, permet en fait de moyenner donc toutes les positions. Un balancier, donc qui est l'organe réglant de la montre, n'a pas les mêmes comportements selon l'orientation et selon la gravité. Alors l'idée c'est de prendre ce balancier et de le mettre dans toutes les positions possibles. Ça veut dire qu'en 24 secondes il va tourner dans le plan, ensuite en 48 secondes il va être balayé comme ça, et pour vraiment assurer toutes les positions il va être encore moyenné sur 180 secondes. Il y a une particularité peut-être qu'on peut noter, c'est que le tourbillon triaxial est volant, ce qui est assez rare. Donc on a vraiment cette vision complète du tourbillon triaxial. Incroyable. So I love the fact that, as you mentioned, they're both of these triple axis tourbillons are flying. You have a complete view of the incredible, I should say, miniature universe of this triple axis complication from every possible angle. But Alain, why two triple axis tourbillons? Alors bon, il y a une question esthétique qui permet donc d'avoir ce visuel très fort. Et puis une deuxième question, c'est que d'avoir deux éléments, ça permet d'avoir une précision de marche qui est un peu meilleure.
Donc on a un système en fait qui relie les deux éléments, qu'on appelle un équilibreur de marche, qui permet en fait de moyenner, pas exactement de moyenner, mais de prendre des informations des deux pour donner une meilleure indication horaire. I've heard before, for example, of a differential mechanism that's averaging the rates of the two, but this is different from that, correct? C'est différent. Alors, on a déposé des brevets là autour. Donc, effectivement, il y a plusieurs moyens de le faire. Il y a les différentiels, qui sont la manière la plus connue, où on dispatche l'énergie ou l'information à travers un différentiel. Nous, on a choisi une voie qui est plutôt une voie plus mécanique, plus simple, si on veut, où on vient relier les deux à travers un système qui est semi-élastique et semi-à friction, et donc qui permet de transmettre de l'énergie de l'un à l'autre. C'est-à-dire qu'il y en a un qui va plus vite, il va transmettre de l'énergie à celui qui est en retard pour lui le pousser à aller plus vite. That's incredible. Is that also because when you have this, how many barrels is the watch on? Il y a un barillet par tourbillon. Okay. And are there two separate trains for? Il y a deux trains de rouage séparés. Incredible, and they're linked purely through this mechanism that you're talking about. Exactement. So there's two barrels, two gear trains, each of them driving one of these triple axis tourbillons. And you're mentioning this equalizer, which am I correct that in the first version you could see it, but now this mechanism is actually patented but hidden behind the barrels? Is that right? Exactement. Donc on a mis vraiment à l'intérieur de la montre, ça relie les deux barillets. Donc c'est une liaison qui est vraiment tout au début du train de rouage. Ah, c'est tout au début. Tout au début du train de rouage. Ah, okay, intéressant. Ouais. Okay, oh, that's really interesting. Okay. So let's go from the twin turbo to the twin turbo Furious, which brings to the watch a mono pusher chronograph as well. And I remember when I saw the movement, the first thing that I saw was, I love this wheel. This is the sexiest like chronograph wheel I've ever seen. But the design of the wheel is so interesting to me as well. It's so thin and skeletonized, but in a pattern that's really unique. And I asked you, is this made through Liga? And you said, no, it's laser engraving as well. Tell me about what this pattern is. Alors, on a vraiment fait ce design de roue à la demande de Jacob & Co. Donc, il est venu avec un objet qui est aujourd'hui utilisé dans beaucoup d'éléments de la marque et qui représente tous ces petits bras qu'on vient couper au laser, extrêmement fins, extrêmement précis. You know, and I love that also because it's representing the decoration that you find on the walls of the boutique, the flagship in New York, and yet there's also a function to it because you're making it incredibly light also so that it doesn't take that much power. That's so cool. But tell me about the development of this chronograph for this watch. Alors, on est parti vraiment de la twin turbo de base, si on peut dire, bien que ce soit déjà compliqué. Et on est venu ajouter à l'arrière un chronographe monopoussoir, vraiment dans la tradition des chronographes, où on vient indiquer donc la minute du chronographe et la seconde au centre. Donc ce chronographe, il est mu par une roue à colonne. Donc on voit vraiment cette roue à colonne qui tourne à chaque poussée sur le start-stop, où c'est vraiment, magnifique. On voit tout qui se déclenche, qui bouge. Et on a ces designs vraiment particuliers qu'on vient graver au laser, qui sont vraiment une demande spécifique de Jacob, qui adorait ce motif. Il avait un objet avec ce motif et il a dit « c'est ça que je veux sur mes roues ». Incroyable. Et on a ajouté cet élément, c'est vrai qu'il ressort énormément à l'arrière, qui est magnifique. Moi j'adore. Qui est magnifique. Et la particularité peut-être, c'est que dans cette version, on a une des cages qui va venir entraîner le tourbillon. L'autre cage, oui. Exactement. Donc on voit à l'arrière ici, en fait, on a une très grande roue qui entraîne le chronographe. Et on a une plus petite roue qui, elle, entraîne uniquement l'heure et la minute. Donc si on retourne, on est bien ici sur 5 heures sur l'heure et la minute. Et à 7 heures sur le chronographe. See, I think this is incredible also because, you know, Alain, I think the problem with chronographs, not a problem, but one of the challenges, is that a chronograph is essentially a parasitic device. So when you implement the chronograph, it's drawing power away from the timekeeping, right? And it affects sometimes the precision of the timekeeping. But because you have two regulators, well, based in two triple axis tourbillons, you're able to use one of them for the chronograph function and one of them for the timekeeping function. And because there's two barrels and two gear trains, the accuracy is not affected even exactly. With the chronograph. That's actually brilliant. And this is one of the things that I love about Jacob watches, right? You know,
when you look at the twin turbo, look at the twin turbo Furious, from an emotional perspective, you're, you know, really seduced by how complicated and how technical it looks and how visually dynamic. But underlying it, through his partnership with you, the watchmaking authenticity is extremely important. It's a really horological watch, correct? Exactement. C'est vraiment une pièce très horlogère, très traditionnelle au niveau de l'horlogerie. Elle a un look incroyable, mais c'est vrai que derrière, c'est vraiment le cœur de l'horlogerie qui est à l'intérieur. Now, Alain, can you please let us listen to the minute repeater? Oui, bien sûr. OK. Donc, quand on va faire sonner la répétition minute, il y a une chose qui est incroyable, c'est qu'on a des sécurités, en fait. Donc, quand je vais faire la mise à l'heure ici, je fais la mise à l'heure, j'arrive pas à venir enclencher la répétition minute. Donc, ça évite, en fait, que l'utilisateur vienne casser la répétition minute pendant la sonnerie. Et ensuite, là, je vais faire sonner la pièce. Je vais juste mettre plus de minutes. Donc, ici, on a la pièce qui est prête à sonner. Je l'enclenche. Et là, donc, on entend les heures qui sonnent en premier. Ensuite, les dizaines. Donc, c'est une répétition minute décimale. Fantastic. Et pour finir, les minutes. C'est vrai que la répétition minute décimale permet une compréhension, en fait, de ce qu'on écoute beaucoup plus simple. Oui. Plutôt que de calculer 15 plus 15 plus 15 plus 7, ben on compte 5 plus 7, ben on est à 57. I totally agree. I think a decimal minute repeater is so much easier to understand. Exactement. Exactly, for all the reasons. C'est facile. Right. Peut-être une chose que j'ai pas dit, quand on arme la répétition minute et qu'elle commence à sonner, on n'arrive pas à faire la mise à l'heure. Donc c'est aussi, c'est la même sécurité pour éviter de faire une mauvaise manipulation. Et une troisième sécurité, c'est que quand on arme la répétition minute, on peut aller au bout, en fait, contrairement à d'autres répétitions minutes où on s'arrête au milieu. Vous savez qu'ici, c'est proéminent, donc c'est très gros. Si on pouvait forcer sur le mouvement, on aurait un risque de tout casser. Donc, on a mis des sécurités, en fait, qui empêchent de casser le mouvement. C'est-à-dire qu'on vient faire toujours une butée dans la boîte. Donc, parfois, on doit attendre un tout petit peu avant que ça débute, mais c'est vraiment cette sécurité, en fait, pour éviter de détériorer le mouvement. So, you're basically decoupling the energy that's being from pushed on the pusher to the function of the watch as well. It's just the activation of it, and that's why there's a little bit of a moment before it starts as well. Exactement. That's fantastic. Et ça, c'est vraiment innovant aussi. Yeah. Et développé pour cette pièce parce qu'elle est incroyable. Elle est incroyable. That's fantastic. So, you know, the last thing I want to ask you about is, what is the pit board indicator and where did this idea come from? C'est une petite fonction amusante. C'est comme au bord des champs de course, les petits panneaux indicateurs où on vient écrire dessus, en fait, le temps du meilleur tour, le temps de, un temps de référence, en fait, quel qu'il soit. Et on peut faire la même chose ici sur les deux chiffres qu'on voit ici. Donc, on vient régler sur la deuxième position de la couronne, donc la position intermédiaire. On vient simplement régler le mécanisme et on vient changer l'indication ici. Une fois qu'on starte le chronographe, donc ici, j'ai réglé. On voit quand donc tout tourne quand on règle. Oui. Je vais régler quelques minutes comme ça. On aura juste un exemple. Donc là, j'ai réglé 1 minute et 8 secondes. Disons que ce soit notre temps de référence. J'enclenche le chronographe. Donc on voit l'aiguille qui démarre. Mm-hmm. Et en fait, au moment où je vais arrêter mon chronographe, j'aurai une lecture directe, pour autant qu'on soit assez proche du temps, de la différence entre le temps mesuré et le temps qu'on a prévu à l'avance. Fabuleux. Voilà. It's great because it's a watch that, you know, again, visually stunning, so like arresting when you see it, you know, on the wrist, but has so much horological credibility and authenticity to it. Alain, you know, that's the question. I mean, you know, how is it that you work with Jacob? What is the process? I remember the last time I saw the two of you together, you said that you love the fact that he's always challenging you or pushing you to try new things or bring performance to the next level. How does that relationship work and what do you get from this relationship with Jacob? Alors, on se voit régulièrement avec Jacob. Donc, il vient toutes les deux semaines, tous les mois, en Suisse. Et c'est vrai qu'on a cette relation où nous, parfois, on propose des choses. Lui, parfois, il demande des choses. Et on arrive à challenger ses idées. Souvent, il est très exigeant dans ce qu'il demande, ce qui est normal. Et en fait, ça permet d'arriver à ce genre de produit où les petites indications qu'on amène, peut-être, on lui propose des choses. Lui, il arrive à les challenger, à les mettre dans son univers, à faire quelque chose d'incroyable depuis ces idées-là. Incroyable. Et nous, ensuite, on les réalise sur ces indications.
Fabulous. Alan, thank you so much. The Twin Turbo and the Twin Turbo Furious are amazing watches with such extraordinary watchmaking credibility to them. And I think this partnership that you have with Jacob is just killing it, creating some mind-blowingly cool watches. So bravo. Merci beaucoup.